un anglais, un petit anglais, voilà, c'est un anglais joli. C'est un Clifford Essex, Clifford Essex, avec les marques caractéristiques de ce modèle, qui est un modèle, je ne sais plus trop, impérial peut-être, voilà. C'est le début de la montée en gamme, hein. Il y a, en dessous il y a le Popular, et ça c'est un Imperator ou Impérial, je ne sais plus trop. Mais voilà, il est monté avec des mécaniques un peu difficiles à maîtriser quand même, à friction, voilà. Je l'ai monté, sauf la cinquième, je l'ai monté en nylon, enfin il supporte l'acier aussi. Et il est sculpté, là on voit la petite sculpture en bas, bon, je ne suis pas un fan là de ça, mais bon, c'est parti du modèle. Bon, cette caisse est la caisse caractéristique en cuivre nickelé, et puis nous avons l'intérieur avec sa souris, non c'est pas ça, c'est pas une souris, avec son plastique atténuateur. Voilà l'intérieur, il n'y a pas de tone ring, c'est pas la peine, puisque ce système de cuivre nickelé fait office. Il y a ici donc un fût en quoi, en frêne peut-être, voilà, peut-être maple, je suis pas sûr, d'érable, je m'étonnerais. Et je l'ai monté celui-là avec des cordes nylon bien sûr, et une peau de goat, une peau de chèvre, voilà. Alors c'est l'attaque très particulière du nylon, hein. Bonjour anglais, très beau, très bon son. On va changer les mécaniques parce que du mal à tenir la corde.